Ils n'étaient qu'une poignée, mais ils ont fait le job. Les militants du collectif Roundup Non Merci ne se résignent toujours pas à voir les enseignes de la grande distribution vendre le poison numéro 1 de nos champs et de nos jardins, le pesticide phare de Monsanto. C'est dans un magasin Auchan de la banlieue parisienne qu'ils ont cette fois bloqué les caisses. Lundi 19 janvier, au supermarché Auchan de Bagnolet en région parisienne, une dizaine de militants Roundup Non Merci vidaient le rayon des produits type Roundup, des pesticides contenant du glyphosate. Auchan vend du Roundup et des pesticides contenant du glyphosate, qui est un produit extrêmement nocif pour la santé et pour l'environnement, qui provoque des malformations chez les nourrissons, qui provoque des problèmes hormonaux et donc des problèmes de fertilité également, et nous ne pouvons pas laisser faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour interpeller la direction de cet Auchan. Les vigiles, plus vigilants que jamais en ces heures de vigipirate renforcée, ont mis un certain temps à remettre de l'ordre dans cette joyeuse pagaille, où les militants, debout sur les caisses, sortaient des banderoles et distribuaient des tracts aux clients du magasin. Sans violence, mais avec une certaine agressivité, ils ont empêché que l'action soit filmée. Nous avons bloqué plusieurs caisses pour créer un rapport de force non violent, certes, mais suffisant, pour que le directeur de ce magasin accepte de nous rencontrer. Moi, directeur d'hypermarché, je suis prêt. S'il vous plaît, je ne sais pas si tout ça sera diffusé. J'aurai plaisir à le lire. J'aurai plaisir à lire l'article. Moi, j'ai besoin de me cultiver sur ce dossier-là. Je n'ai pas besoin de faire un reportage. Et il a accepté également de retirer ses pesticides, au moins aujourd'hui, le temps d'avoir une réponse sur la toxicité de ce produit de la part de sa direction. Et si il n'avait pas de confirmation que ce produit était inoffensif pour la planète, il ne les remettrait pas en rayon. Donc à voir maintenant dans quelle mesure il serait capable d'appliquer son discours. Il n'a pas voulu être enregistré au moment où il parlait. Là, il y a encore une. Depuis sa création en décembre 2012, le collectif a rendu visite à plusieurs enseignes comme Carrefour ou encore Castorama, où il a obtenu d'un magasin le retrait du produit. Nous encourageons donc Auchan à faire de même, dans une démarche éthique de respect de la santé publique et de préservation des ressources naturelles. Une discussion est en cours avec Carrefour et les autres groupes de grande distribution. Je trouve ça génial parce que c'est eux qui vont construire le monde de demain. Donc je trouve ça génial et je suis avec eux 100%. Les gens étaient globalement intéressés et trouvaient que c'était normal ce qu'on faisait et qu'il fallait nettoyer les rayons des choses qui sont pas. Des produits qui sont pas acceptables et qui sont pour un profit à court terme, on détruit la planète. Le directeur de ce magasin s'est engagé à nous envoyer par retour de mail d'ici quelques jours, on l'espère, le plus rapidement possible en tout cas, la réponse sur est-ce qu'il va ou non déréférencer ces poisons Roundup, glyphosate. Et pendant ce temps-là, le Parlement européen donnait son approbation à une directive autorisant chaque pays de l'Union européenne à décider de la mise en culture ou non des OGM, dont plusieurs variétés ont justement été créées pour être Roundup ready, c'est-à-dire compatibles avec le désherbant de Monsanto. Et puis ce jeudi 29, si vous êtes parisien, au cinéma Luminor Hôtel de Ville, rue du Temple, la Fédération internationale des droits de l'homme organise la projection d'un documentaire, Concerning Violence, qui traite de la question de la violence et de la non-violence dans les luttes anticoloniales, autour des travaux de Frantz Fanon. Toutes les informations pratiques sur nos sites altergité.tv et notre Facebook. Merci d'avoir suivi cette édition de l'Altergité. On se retrouve bientôt et en attendant, ciao tout le monde. Au revoir à tous et à toutes.